Good morgen, allez, Iden, les sujets aujourd'hui, le Lunishmat, Machlouf, Micha ben Masouda, Nachman Yosef ben Achum, Avram, Reynor, Bob ben Fortune, Mazal, Dov ben Yehudit, Nissan ben Mafret, et Moshe Michael ben Machlouf, si vous souhaitez vous aider, une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Masechet Amid, Perek Aleph, Mishnah Bet, Mishéhu Rotse Litrom et Amisbeach, Mashkim Vetovel, Ad Shelo Yavo Hamemune. Mechi Bezo Shah Memune Ba, Lokalaitim Shavot, Pamim Sheuba, Mikriat Agever, Osamuchlo, Melefanavo, Meleacharav, הממונה בא ודופק עליהם, והם פתחו לו ואמר להם, מי שטבל יבוא ויפיס, יפיסו, זכה מי שזכה. On commence concrètement le rituel du Beth Amikdash, toute la journée, on avait déjà, dans la Mishnah Aleph, on avait déjà raconté comment les Kohanim dormaient au Beth Amikdash, et puis maintenant on va commencer à se préparer au lever du jour, et la Mishnah nous raconte, nous dit comme ça, « Mishéhu rotze litrom et amizbeach, celui qui va vouloir » littéralement, prélever le misbéach. Ça veut dire quoi, prélever le misbéach? La première avoda, le premier service qu'on faisait au Beth Amikdash le matin, c'était la Troumat Deshen. Il y avait, toute la journée, on avait fait des corbanotes, on avait brûlé plein de choses. Il y avait le bûcher du misbéach, on faisait brûler toutes sortes de viandes, toutes sortes de graisses. Et puis, on les laissait brûler toute la nuit, on complétait tout ce qu'on avait fait. Des fois, on faisait des corbanotes dans la journée, où il fallait asperger le sang, oui, on n'avait pas encore le temps de faire monter les membres, et les membres, donc on les faisait monter sur le misbéach pendant la nuit, et ils brûlaient toute la nuit. Après, il y avait tout un tas de cendres qu'il fallait ensuite reprendre, et on allait sortir dehors dans le Beth Hadashen. Mais avant de le sortir dehors, il fallait tout d'abord, avec une pelle, prélever un peu de ce tas de cendres, et allez le déposer par terre dans la Zara, on découvrira ça dans les prochaines Mishnayot. Cette Avoda-là, ça s'appelle la Troumat Deshen, c'est le coup d'envoi de la Avoda. C'est la première chose qu'on fait quand on va débuter la Avoda du Beth Amikdash le matin. Et donc, la Mishnah m'enseigne que celui qui veut se préparer et participer, tenter sa chance d'accomplir cette belle mitzvah, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mashkim Vetovel, Atchelo Yavo Avemune. Il devait se lever plus tôt et aller vite au mikvé se tremper jusqu'à que le responsable vienne. Le mémouné, c'est le responsable. Les manotes nommaient quelqu'un en hébreu. Donc le mémouné, celui qui est responsable. Celui qui est responsable, on va voir exactement son rôle. Celui qui gérait la circulation au Beth Amikdash, qui donnait les rôles à chacun. Donc il fallait se lever plus tôt, très tôt, avant le lever du jour, on ne sait pas de combien. Comme la Mishnah continue en me disant, Vechi Bezo Sha Memuneba, à quelle heure il arrive exactement ce responsable? C'était pas précis, ça dépendait de son humeur. Lokolaitim Shavot, pas toutes les périodes sont semblables, c'est-à-dire toutes les périodes, tous les moments ne sont pas les mêmes, ça dépend du jour. La Mimshuba, Mikriyat Agever, parfois il vient depuis Kriyat Agever, depuis le moment où littéralement l'homme crie, ou le Gever crie. C'est quoi le Gever? Ça peut soit être un homme, ou soit ça peut être aussi le coq. Et il y a effectivement deux interprétations. Il y a le Vartanoir, il y a deux interprétations. Est-ce qu'on parle que depuis le moment où le coq il commence à crier, donc c'est vraiment l'aube, dans les premiers instants, quand il fait encore noir, et qu'il y a la première percée de la lueur tout au fond, à l'est. Et donc le coq commence, lui, à déjà déceler ce moment-là, il commence à crier. Ou bien, le Kriyat Agever, c'est depuis le moment où il y a un autre responsable du Beth Amikdash qui vient, qui réveille tout le monde au Beth Amikdash. Donc, en fait, il y avait un Cohen qui s'occupait d'aller réveiller tout le monde, qui criait, si ça vous intéresse, il criait dans les mots, il disait comme ça, « Samour la otachacha, non, il n'a pas revenu. » J'ai vu quelqu'un qui l'a rapporté, c'est sûrement en bas, c'était ici, il leur disait, « Machiz lefne shara moket bachutz, bechol boker, imdu kohanim la vodatrem, levez-vous kohanim pour faire la vodat Hashem, la vodat du Beth Amikdash. » Et donc, à ce moment-là, il y avait le mémouné, le responsable de la circulation, de distribuer les rôles de chacun, eh bien, il leur tapait la porte, donc, au Samouchlo, Milefan Avonrav, donc c'était, depuis le moment où il y avait le Kirat Agever, donc le coq, ou cette personne-là, qui réveille tout le monde, un peu avant, au Samouchlo, bien, proche de ce moment-là, Milefan Av, auparavant, au Milechrav, ou bien après, Veha Memouné, Ba Vedofek Alem, le Memouné, le responsable vient, et il tape sur eux, non, c'est pas sur eux, il tape sur la porte parce que les Kohanim étaient donc dans le Beth Amoked. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris? Le Beth Amoked, ils sont ici, où les Kohanim se reposaient. Il y avait ceux qui dormaient par terre, ceux qui dormaient
les plus vieux qui dormaient sur les pierres. Donc là-bas, les Kohanim qui s'étaient préparés pour tenter leur chance d'éventuellement mériter de faire la tourmata des chaînes, de prélever la première cendre, ils étaient déjà partis au Mikvé, ils attendaient que le Mémouné arrive, il tape à la porte, même pas trop lourd, et il le faisait entrer. À Marlène, et alors là, le Mémouné leur disait, « Michetaval yavoveya fils, celui qui s'est trempé, ouais, depuis le moment où il arrive, ça y est, celui qui est là, il est là, et qui vienne et qui fasse le païs, le goral, le tirage au sort. » Comment en fait il faisait le tirage au sort? Alors là, c'est pas raconté ici dans ma Masechet Tamid, mais c'est raconté dans ma Masechet Yoma. Dans ma Masechet Yoma, on raconte que, en fait, les Kohanim qui étaient intéressés, disons, il y avait 20 Kohanim qui étaient intéressés à faire tenter leur chance, ils venaient et puis ils sortaient un doigt ou deux doigts, et ils prenaient le chapeau de l'un, et ils demandaient à quelqu'un de dire un chiffre, ils prenaient le chapeau de l'un pour dire « par toi si je vais commencer », et puis l'autre il avait dit 40, donc il commençait à compter les doigts, il y en avait qui avaient sorti un doigt, il y en avait qui avaient sorti deux doigts, il comptait 1, 2, 3, 4, 5, 1, puis quand il s'arrive sur 40, il dit « ah, c'est toi le 40e ?» C'est toi qui as eu le mérite de faire le tourmaté des chaînes. Et il va commencer ensuite la tourmaté des chaînes, comme on va voir ensuite. Donc, Hefissou, s'ils ont fait le païs, comme le Mifal à païs. Mifal à païs, en Israël, c'est le loto national. Le païs, les faïs, c'est la fils plutôt, c'est faire le donc tir au sort. Hefissou, s'ils ont fait, une fois qu'ils ont tiré au sort, eh bien, Zacha Miche Zacha, celui qui a gagné, il a gagné. Et du coup, on va commencer la Mishnah Gimel d'après, qui va nous raconter qu'est-ce qu'il va faire, celui qui a gagné, comment il va falloir procéder, Bezrat Hashem. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov Zala.